Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve seyyidil mursalin. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Nous commençons un nouveau chapitre. Des chapitres auparavant nous disaient Al-Khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après nous finissons Al-Raja, l'espoir. Donc, ça veut dire l'autre côté complémentaire, c'est l'espoir, Ar-Raja, et Fadlur Raja, et bonne vertu de Ar-Raja, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chapitre 53, c'est Al-Jam'a, Babul Jam'a'i, Bain Al-Khawfi wa Ar-Raja. Un chapitre qui fait Al-Jam'a. Jam'a veut dire mettre ensemble, combine Al-Khawf avec Al-Raja. Allah se craint pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala, so rahmat. Alors, Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, li met un petit note ici, li dit i'lam. Connaît qui, anna al-mukhtara lil-abdi fi hali sihatihi an yakuna khaifan rajiyan. Un abd, un serviteur qui, il a tous les moyens, ça veut dire, il est bien. Fi hali sihatihi, et un jimoun qui, mukallaf, ça veut dire, il est nassaz l'oli. Qu'on est que veut dire mukallaf, qu'il est correct sur la vie, puis il est correct, alors il est bien, khaifan rajiya, il est bien, il a tous les deux. Il est bien, il a khaouf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il est bien, il a raja pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un djimoun tout le temps, il est bien, il avec ça de là, comme une balance dans la vie. Il a la crainte d'Allah et il a raja en même temps. ويكون خوفه ورجاؤه سواء سو خوف avec سو رجاء les besoins pareils les besoins qui avaient fait une balance avec ça parce qu'un est complémentaire à l'autre si un djimoun en a dit خوف les boutons d'une mélancolie les pourrantes d'une qui a été la vie que finalement les boutons les deux avec dunia les pour l'église beaucoup souvent responsabilité si un djimoun les tombes dit dans رجاء alors, il oublie souvent responsabilité vis-à-vis d'Allah, il est là, il est capable même de rentrer dans ban quelque chose qui n'a pas besoin, comment nous trouver à ce là. Alors, wa fi hal al marad yatamahadu ar raja. À ce là, quand on dit là, il est malade, qu'il fait? Il verse plus côté ar raja. Qu'il fait? Parce qu'il est possible qu'il peut poster avec l'amour. Quand on dit est malade, il est plus près avec l'amour. Alors, c'est à ce moment-là, il besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous finissons prendre dans un de nos hadiths précédents, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, que personne parmi eux n'est pas mort s'il n'est pas dans l'état quand il y a raja ou Allah, quand il y a husnu dhan ou Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, la yamutanna ahadukum, que personne parmi eux jamais n'est mort, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Si aussi longtemps qu'il y peine husnul dhann qu'il y peine une bonne pensée de Allah subhanahu wa ta'ala et ça husnul dhann là c'est raja ça veut dire quand djimoun l'incosté prêt avec ce mot sur raja vis-à-vis de plus parce qu'il y en a l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y peut pardonner wa qawa'idu shar'i min nusus al-kitab wa sunnati wa ghayr dhalika mutadhahiratun ala dhalik et ben fondement ben base de sharia et ben texte al-kitab ça veut dire Coran avec hadith avec autre que ça par exemple naïjma ben ulama tout ça là je confirme tout ça là alors nous trouvons al-raja avec al-khawf ensemble alors les cite certains ben ayat Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun et là ben djimoun qui je te sentis je à l'abri de makrullah. Makr veut dire Allah sur plan. Plan qui Allah mettait, Allah sur kudrat. Je te sentis, je te à l'abri, qui Allah va pas pouvoir faire, nous n'en rien. Non, mais ça, les autres qui peuvent arriver, nous, nous ne pouvons pas arriver ça. Il ne faut pas jamais personne sentir à l'abri tout le temps. Au contraire, il faut faire attention. Attention à Allah en colère. Attention à Allah sur malédiction des sannes. Alors, il y a, comme nous connaissons, nous trouvons dans le Coran, ton bon Dieu là, Dieu lui a envoyé son malédiction. Dieu lui a envoyé, nous guettons un coup. Donc, Tiena qui s'est un petit peu senti autre soi-disant à l'abri. Alors, il n'est pas senti lié à l'abri depuis Allah, ce makr, ce complot,
accepté ban kin PAG. Ça veut dire celui qui sent il y a l'abri d'infini PAG d'avance. Comment dire il peut la guerre avec Allah, ben celui qui la guerre contre Allah, alors l'infini PAG d'avance. L'autre ayat Coran de sourate Yusuf, quand Seyyidina Yusuf alayhi salam, son papa, ça veut dire Yaqub alayhi salam, l'étant les pégains, une mauvaise nouvelle qui garçon Yusuf une PAG depuis avant, je dis à l'inmo, après ce deuxième enfant, depuis même Madame Benyamin, lui aussi pareil, il retenir là-bas dans l'Égypte. Alors, étant l'icône, ça, il commence à l'icône quelque chose qui ben les autres pas connaissent, lui dire, allez à l'autre Yusuf avec son frère Aster, et n'a pas perdu l'espoir dans Rauhillah, wa la tayasu min Rauhillah, innahu la yayasu min Rauhillah illa al-qawmul kafirun. Parce que celui qui perd l'espoir dans Allah sur Rauh, Rauh veut dire Allah sur Rahmat par lequel il fait vivre. Je te dis que Yusuf alayhi salam, il mot, alors que ce papa tout le temps tient à l'espoir, sinon il pourrait trouver un jour. Alors Rauh, c'est quelque chose qui fait du monde revivre. Alors qui lit l'ingot, c'est à l'espoir là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire lui retrouver. Alors, il n'a pas perdu l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Sur Rauh, sur Rahmat, excepté ban kafir. Ça veut dire, c'est lui qui peine à l'espoir dans Allah, l'un kafir. L'autre ayat Coran est cité, Yawma tabiyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ça joue là, dans Surah Al-Imran, ça joue là pour une figure qui pouvait être blanc et pour une figure qui pouvait être noir. Vin blanc qui veut dire, vin blanc veut dire, ben figure là, je suis content. Pour une bonne nouvelle pour eux. Et je peux enjoy Allah sur Rahmat. Et ben figure qui vient noir, ça veut dire je ne finis qu'on est les affaires pas pour bon. Je te figure noir aussi avec mauvaise nouvelle. Alors ça joue là, il y a mon kriyama pour un peu figure qui bouvine blanc, un peu figure qui bouvine noir. Le Coran là continue. Fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum. Ben dis-moi que je te figure noir. Akafartum ba'da imanikum. Fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Est-ce que je te fais kufre après votre iman? Alors goûte ça, dit fait là, goûte ça, punition là. Parce qu'ils ont fini amen, ils ont fini faire kufr. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum. Alors qu'il y a des gens qui ont fini faire clair, fini blanc. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Alors ils ont pu dans Allah sur rahmat, dans Allah sur jannat, tout le temps ils ont pu rester là-dedans. L'autre ayat Coran, inna rabbaka la sari'u l'iqab, wa innahu la ghafurur rahim. Certainement ton Rabb, les rapides dans. Donne punition. Ça veut dire quand il y a pour une punition, Allah donne lui vite vite. Il est capable de tarder, mais il est capable de donner vite vite. Si il y a un djimoun, Allah retarde lui. A mis un tigin après mon coup, trappe-toi. Mais il y a un djimoun, sa punition, il gagne lui de suite. Wa innahu la ghafurur rahim, et en même temps, les ghafur, il pardonne mon péché, et les rahim, il y en a beaucoup miséricorde. L'autre ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, innal abrar la fi na'im. Abrar, c'est pluriel de bar, ça veut dire un bon djimoun. Innal abrar, ban bon djimoun, la fi na'im. Je te pousse dans un na'im, Allah soit bien fait. Na'im ici veut dire jannat, je te pousse dans jannat. Wa innal fujjar, et ban fujjar, pluriel de fajir, c'est un djimoun qui désobéit à Allah. C'est un djimoun qui désobéit à Allah, ban malfaiteur, ban injuste, ban transgresseur. La fi jahim, je te pousse dans jifé, je te pousse dans jahanna. Wa qala ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa amma man thakulat mawazinuhu, dans surah al-Qari'ah. C'est lui qui se balance, fin vin lou. Ça veut dire se balance qui peut me dire bon action là, lin vin lou, ça veut dire bon action, mais plus qui mauvais action. Fa huwa fi aishatin radiya. Alors lui, il peut gagner la vie radiya, qu'il peut satisfaire avec ça. Et Allah peut satisfaire avec lui. Un bon la vie. Dans l'akhirat. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Alors qui, c'est lui qui se misane, se ban misane. Ça veut dire se bon action. Fin vin lésé. Ça veut dire mauvaise action, une vin plus qui bon action. Fa ummuhu et sa destination qui était hawiya. Hawiya, c'est un gouffre dans fin fond profond dans l'enfer. Alors, qu'Allah protège nous. Comment nous trouver dans cette ayat là, en même temps, en a fin nous trouve des ayats un à côté l'autre, en là en a khawf, fait nous peur, en là en a raja, donne nous l'espoir. En a fin nous trouve même ayat, dans même ayat en a tous les deux. Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum. Même ayat en a tous les deux.
خوف avec raja encore. Alors wal ayatu fi hadha al ma'na kathira. Imam An-Nawawi je saban ayat la ban ayat kena sa meaning la li beaucoup. Fa yajtami'u al khawf wal raja'u fi ayatayn muqtarinatayn aw ayatin aw aya. Saban ayat la ina fanu gande ayat en pekosa en pekoslot. Ina fanu na plizia ayat ki pekos tous les deux. Ina fanu an sel ayat nuna al khawf avec al raja' ki combiné. Alors nous prenons hadith aujourd'hui, hadith 444. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjir, law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uquba. Si un mu'min en kena iman li tikone ki punition Allah ina in réservé. Qui punition Allah en réservé, ma tombe à bi jannatihi ahada. Jamais les types ont l'envie pour autre chose jannat. Les pas types ont un goût pour jannat. Un mu'min, s'il s'y connaît bien, qui Allah en réservé comme punition. Alors les pas types ont même envie jannat. Comment dire? Les types ont passé le temps, dit Allah, pas mettre moi dans jahannam. Sauve-moi depuis sa jahannam, depuis sa punition là. Et la punition dans Kabbal, avec une punition dans jahannam. Dimon là les types vous préoccupent lui comment les vous faire pour sortir dans sa punition là dimon là les types vous gagnent beaucoup de tracas qui peut arriver moi alors les parties vous même envie gagnent goût pour rentrer dans jannat comment dire sauver depuis sa punition là type vous suffit pour lui voilà où ya alamu al kafir ma inda Allah min ar rahma et si kafir c'est lui qui pas fin à mener iman les types connaissent qui Allah est comme rahmat. Si les types connaissent Allah sur rahmat bien même, ma qanata ou soit ma qanita min jannatihi ahad. Personne jamais, type, comment dire, désespéré depuis, ça veut dire, type, désister depuis Allah sur jannat. Alors, un kafir, qui je te fais? Je ne pas croire même dans jannat là. Je ne pas croire là-dedans. Je te fais un bouffon avec ça. Alors, je te dis, qui Allah vous donne jannat, Allah l'a même pas existé, na'oudhu billah. Ou soit, je te fais kufr avec Allah. Ou soit, même si je te crois dans Allah, il y a beaucoup de kafirs qui croient dans Allah, je te fais kufr, je te fais shirk, ou soit, je ne te pas suivre le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa jannat qui est mentionnée dans le Coran, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous là, je ne te pas croire là-dedans. Je ne pas attendre pour gagner ça. Et n'a pas attendre pour qui je te retourne l'eau, la terre là continue à rouler, comme ça même qui je t'appelle karma. Et n'a croire qu'ils ont pas dans l'autre place, c'est pas appelé Valhalla, c'est pas qu'ils ont fait, mais, et n'a dire qu'ils ont pour moi, ils ont la poussière. Fini, il y en a juste donné. Je veux pas croire là-dedans. Mais seulement si je t'y connais Allah sur Rahmat Kena. Si je t'y connais Allah sur Rahmat Kena, alors jamais je t'y peux détourner depuis Jannat, je t'y peux envie sa Jannat là-même. Alors, dans ce hadith-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous en même temps Khaouf. Si nous t'y connais Allah qui est réservé comme punition, alors, jannat l'aime, nous pas tu peux penser. Ça, khaouf, ça. Et, si kafir, tu connais, qui Allah ne réservé dans jannat, alors, les types rôdent sa jannat la même. Jamais, les types, comment dire, détournent-les depuis sa jannat. Là. Ça, c'est raja. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. God, khaouf avec raja tout le temps dans nous la main, tout le temps dans nous les cœurs, dans nous l'esprit. Qu'il donne nous tawfiq tout le temps, nous faire bon balance entre ça et là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous tous nos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sur rahmat et donne-nous sur jannat. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.